Tous ces UHC sont jouables sur UHC World, mon serveur Minecraft. Dans ce nouveau loup-garou UHC, je vais faire face à une situation très problématique. J'incarnerai l'un de mes rôles loup-garou favoris, mais tout ne va pas vraiment se passer comme prévu, car à peine quelques minutes après l'annonce... Si vous découvrez le concept avec cette vidéo, ce jeu Minecraft est directement inspiré du célèbre jeu loup-garou. Chaque joueur se voit attribuer un rôle, villageois ou loup-garou, et évidemment, pour gagner, il faut éliminer le camp adverse. Certains rôles villageois possèdent donc des pouvoirs permettant de détecter qui sont les loups-garous, et parmi eux, la fameuse voyante bavarde, pouvant espionner le rôle d'un joueur au choix de la partie, et en plus, le révélant aux yeux de tous dans le chat du jeu. Bref, vous comprenez que cette partie s'annonce très difficile de mon côté, car à peine quelques minutes passées en jeu, tout le monde sait déjà que je suis un traître. Alors, quelle stratégie adopter? Si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner, ça aiderait énormément ma chaîne à progresser vers les 500 000 abonnés. Petit LGUHC à 32 joueurs, franchement je sais pas ce que ça va donner, mais je pense qu'on va vite le regretter. Ou alors peut-être qu'à tout moment on est LGP et on fait le record de kill of all time de tous les LG. Sorcière ou PF aujourd'hui? Oh, j'aimerais bien être PF, hein, j'avoue. Un rôle invisible en vrai? Oh, re être feu follet en vrai. Oh, en vrai de ouf, hein. Y a déjà quelqu'un qui a gagné le ticket d'or? Oh ouais, y en a pas mal, hein. Je crois qu'il y en a une petite dizaine de personnes qui ont dû gagner. Ça fait 2 ans et demi qu'on le fait. On gagne toi avec le ticket d'or. En fait, tu gagnes un grade sur Discord qui te permet d'avoir accès à toutes les games de ton choix quand tu le souhaites, où tu souhaites, quand tu le souhaites. Peu importe le nombre de personnes qui s'inscrivent, tu seras toujours tiré au sort d'office. Et ça, c'est beau. What the fuck, cette marque, elle veut faire un partenariat sur MC? Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une marque qui fait des produits que vous pourriez utiliser dans votre salle de bain. Voilà. Arrêtez de dire Durex là, vous utilisez pas Durex à la douche, qu'est-ce que vous racontez là? Genre je vais faire quoi, Durex on va faire des marques de capotes creeper? Non, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Les capotes UHC World, oh, OMG mec. En vrai mec, my dream qu'il y ait une marque genre qui fasse des slips ou des trucs comme ça qui nous contacte et on fait des slips UHC World. Désolé bébé, mais les chaussettes UHC World restent pendant le sexe. Des choses, venez on fait un merch UHC World, et genre on fait des habits. En vrai moi si je faisais un merch UHC World, je ferais genre un truc un peu discret comme j'ai avec mon t-shirt actuellement, tu vois. Genre un truc un peu mono, full uni, avec juste le logo ou un truc comme ça, tu vois. Ou des trucs assez simples comme ça. Moi je suis pas fan, je sais pas vous ce que vous en pensez. Comme ça en même temps c'est bien, je recueille vos avis pour un jour où je ferai du merch. Mais moi je suis pas fan d'un merch où il y a des trucs partout, tu vois ce que je veux dire. Un t-shirt simple avec une petite rêve, c'est toujours plus sympa qu'un gros logo. Ouais c'est ça. Puis moi je sais pas, tu vois, ce genre de t-shirt tu peux le porter, tu vois. Ou même si tu fais, je sais pas, des vestes ou des trucs comme ça, tu vois, tu peux les porter. Alors que s'il y a des trucs énormes partout, enfin c'est dur de les porter je trouve perso. Les trucs où c'est écrit en gros, je trouve ça dur de porter. Je pourrais pas porter dans la rue un t-shirt où il y a écrit Twitch en gros, tu vois. Alors que ce le petit qui est là où il y a écrit Twitch en tout petit, je peux, tu vois. Mais en gros, il y a écrit Twitch avec le logo, frère, t'attires l'attention à 10 km, tu vois, je sais. Le caleçon UHC World avec les deux gapples. Oh non. Et écrit carrément mettez vos deux gapples ici. Nickel, parfait. J'espère que cette game finira en vidéo pour que les gens dans les commentaires YouTube puissent nous donner leur avis. Est-ce qu'ils veulent un merch UHC World avec un caleçon UHC World où il y a écrit mettez vos deux gapoles ici? C'est parfait. Le caleçon avec écrit il doit. Je suis mort. Oh, night vision. Je suis loup-garou encore, hein. Oh, mystique, trop bon rôle, j'adore, hein, super. Loup-garou mystique est certainement l'un de mes rôles loup-garou favoris. C'est très simple. À chaque fois qu'un joueur du camp des loups sera éliminé, j'obtiendrai le rôle précis d'un joueur adverse à mon camp, c'est-à-dire donc un villageois ou un rôle solitaire. Mais pour obtenir ces informations, encore faut-il survivre longtemps. Évidemment, comme tout bon loup-garou, je possède l'effet force de nuit et j'obtiendrai les pseudonymes de mes alliés loups d'ici quelques minutes. Alors comme je suis loup-garou, je vais faire une épée en diamant du coup, sans méchanceté, guild, j'espère que tu te fais spec et tuer comme ça la prédit 1 gagne. Bah, c'est super, mais c'est sous-livre, ça fait plaisir. Heureusement que vous êtes là pour m'encourager, hein. Tout ça pour avoir des points de chaîne, les gars. Tout ça pour avoir un truc virtuel comme ça. Wow, il y a combien de loups? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, bon, on est 32, donc ça paraît logique, hein. Voir les autres joueurs de la game. Non, ça va, la liste est plutôt équilibrée, ça va. Ok, la game va être intéressante, c'est bon. Non, non. Est-ce qu'on a fini le stuff là? On n'a pas du tout fini le stuff, hein. Mais est-ce que j'ai envie de sortir? Ouais. Est-ce que j'ai envie d'aller jouer aux jeux vidéo? Ouais. Est-ce qu'on va sortir du coup? Ouais. Attendez, attendez une minute. 4 levels et je me barre. Si tu veux aller la voir dès maintenant. Ça faisait longtemps que j'avais pas été spec par la voyante. En vrai, ça faisait longtemps. Bon bah les gars, ça va être la game de la taupe aujourd'hui. Va falloir jouer vite. Ah bah non, va falloir jouer vite. C'est, je vais surtout pas aller au 0-0, hein, ça je peux te le dire. Si jamais l'interprète, la Vovo, tu vois ça, tu vois ce message, connard. Ah bah oui, je suis mystique. Bah super, je peux même pas me plaindre. J'ai pas le droit de me plaindre, j'ai le droit de rien faire dans ce jeu. Je me fais spec, j'ai même pas le droit de me plaindre. J'ai même pas le droit de dire connard. C'est quoi cette histoire? La partie commence mal. Je me suis fait spec sans même être arrivé au centre de la carte, c'est-à-dire l'endroit où on peut se retrouver avec les autres joueurs. Et deuxième problème, vu que je suis mystique, je ne peux pas communiquer dans le chat des loups, sinon ce serait trop facile, vu mon rôle. Je n'ai donc aucun moyen d'informer mes alliés que je suis cramé, et aller au centre serait trop risqué. Je n'ai donc pas le choix. Je vais devoir simplement attendre qu'un allié me trouve par hasard. J'ai l'impression que j'ai vu déjà tout le monde en fait. Bah tout le monde sauf The Guild 8-4. Et je l'ai pas vu par contre lui. Ou bien, moi non plus. J'ai pas souvenir de l'avoir vu. T'as des infos sur le mec qui vient de mourir? Bah non, je l'ai même pas croisé. À tout moment il y a un rôle du genre voyou dans la game et c'est pour ça qu'il est mort. Oh. Ah bah, ça, interprète, un gros, hein. Gros interprète là. Ouais bah ouais. Je pense savoir c'est qui a été spec du coup. Franchement c'est pas compliqué quand tu regardes le tab. Putain ça c'est pas tu moulin comme ça, il a rien demandé. De quoi? Ça c'est pas tu moulin comme ça. Ah ouais, de ouf.
Spectos ? Ouais. Vas-y, viens deux secondes. T'es tout seul ? Ouais. Monsieur Vespec. Mais du coup, je peux pas vous donner les infos quand tu auras des mates qui vont mourir, du coup. Mais putain, ça casse les couilles, ça. Ouais, parce que pour l'instant, je peux pas venir et je peux pas écrire dans le chat, donc je peux rien faire. Après, je peux rester avec toi, mais le problème, non, c'est. Non, non, va jouer, va jouer, va jouer, en vrai. Va jouer. Mais juste en vrai, moi, je pense que. De toute façon, là, la nuit est finie. Dans 5 minutes, je serai sous les arbres en dessous du 0-0 si vous voulez tenter quelque chose. Tu pourras le dire aux autres éventuellement. Tu pourras même le dire dans le chat des loups si tu veux, au pire. Le gars qui s'est fait spec est au 0-0 en dessous des arbres, je vais me cacher sous la terre. Tu pourras le dire aux autres dans le chat. Voilà, toutes. Il y a la moitié de la game qu'on a pas vu encore. Mais quoi ? Il y a la moitié de la game qu'on a pas vu encore. Bizarre, si. Guild est toujours pas monté. Bah t'as vu Guild, voilà. Non, ça non. Bah du coup, globalement j'ai vu tout le monde à part Guild. C'est le seul qu'on a pas vu. Après, à tout moment, c'est lui qui s'est fait spec. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il vient pour ça. C'est tout à l'heure en fait. Ah mais c'est le mec qu'on a vu tout seul ça. Vous avez des infos ou pas? Non du tout, on pense juste qu'il y a un petit groupe qui peut être méchant. Mais ça en okay. Ah, j'ai vu qui a tué le... Ah oui. C'est Zerwinder. Bon ok, t'as entendu ou pas? Lico c'est Zigzoko méchant. Lui qui vient de tuer le corbeau apparemment. Putain. Le gars qui s'est fait spec est sous le zéro pour attaquer si vous voulez. Ah bah voilà, nickel. J'ai réussi à donner l'information à Fritos que c'est moi qui ai été espionné par la voyanta. Et je lui ai même demandé d'écrire dans le chat que j'allais tourner sous les arbres, si jamais les loups-garous veulent déclencher une attaque. C'est une bonne chose de faite, mais évidemment la malchance continue. Bon bah à plus. Oh non! Mais pourquoi on n'a pas de chance comme ça? Fritos Lafrite se retrouve parmi les rôles suivants, loup-garou Grimmer, assassin, voyant de bavarde. Mais pourquoi on n'a pas de chance comme ça? Fritos vient de subir l'événement aléatoire Exposed. Cet événement aléatoire affiche trois rôles, dont son réel évidemment. Ici, loup-garou Grimmer, assassin et voyant de bavarde. Le problème étant que la voyant de bavarde est certainement déjà connue des autres joueurs. Et les deux autres rôles sont eux des rôles adverses au village. Sachant que deux LG étaient déjà cramés pour le kill du corbeau, Lycos et Zigzoko, ça nous met vraiment dans le mal. Il me faut désormais trouver ses alliés cramés pour pouvoir jouer. Et il vient de dire en dessous, au-dessus, il y a un monde où la voyante aspecte The Gill. Hein. Voilà. Ouf. Si on croise The Guild, on croise The Guild, tant mieux. Dans tous les cas, t'admets, je vais pas te mentir, avec mon niveau en PvP, je pense que je préfère pas rencontrer The Guild. Pour qu'ils me prennent, ils me prennent pour un hardcore ou c'est comment? Mais ils me tuent hein, à 3 hein. Les gars, Fritos c'est très très certainement méchant. Hein. Voilà. Et bah, Kaizen, tu rejoins notre groupe de 3 qui devient un groupe de 4. Vous voulez savoir pourquoi on veut pas de moi? Transition. J'ai drop des items, genre qui s'appelait Je suis Cupi à un mec, et du coup, il a dit j'étais Cupi. 5 minutes après, j'ai été lui tirer une flèche, il m'a dit. Non, je veux pas de toi dans mon groupe. Alors, tu sais que c'est prend Samsung que tu l'as donné. Ah ouais, j'ai drop au milieu du groupe. Je crois que j'étais là. Aucun loup-garou. Oh, ça va être dur là un peu, non? Oh là là, what the fuck, c'est quoi cette vovo, frère? Eh bah non, moi, là tu gagnes avec le couple en fait. Voilà, tant que le couple est en vie, il gagne avec le couple. Donc, je pense que c'est ma théorie, je pense pour que... Pour moi, on l'élimine. Il l'a tué. Abusez comme on n'a pas de chance là, Fritos qui se fait exposed. On a deux loups qui sont cramés. On a tué, bon le JDF il sert à rien de toute façon là. Le Cupidon est mort donc du coup... En vrai c'est une bonne chose pour nous ça. Fais pas Fritos, il est assassin. Gré défend ancien, moins une vie, on est trois cramés. Alors apparemment ils ont des codes rendez-vous. Donc je vais faire le tour pour voir si je peux pas trouver les loups au code rendez-vous. Putain c'est trop relou de se faire spec dès le début en vrai. Parce que du coup là moi ça me bloque un peu hein. Oh, dis-moi que c'est ça leur code rendez-vous. Putain mais y'a personne mec hein. Oh. C'est tellement la merde cette game pour jouer les gars. Moi je fais confiance à pas grand monde mais bon, pas plus ou moins moi quand même. Ouais, ouais après ouais. Bah t'as une idée de mon rôle. Ouais mais tu peux être en couple avec la sorcière, tu vois pas. Bien sûr, bien sûr, c'est tout à fait possible. Couple avec la sorcière. Yep. Ah t'as respawn, ok. Non. Donc il est pas ancien, c'est juste Ferez. Ok. Sœur avec Samsam ou Taco ça hein. Ouais, sœur avec Samsam ou Mutako, c'est pour ça qu'ils restent ensemble là. Je sais pas où sont mes teammates parce qu'ils parlent en langage codé donc je sais pas où sont mes teammates. Je peux pas les retrouver. Et en plus je peux même pas leur dire de me donner des coups parce que je ne peux pas écrire dans le chat des loups. Je suis dans la pire situation possible, inimaginable. Ils ont spec pile le bon joueur, je ne peux même pas communiquer avec mes teammates. Je suis peut-être allé voir au 0-0 mais... On peut peut-être retourner à la croix gigantesque que j'ai vue là, la sorte de méga flèche dans le ciel. Allô. On est déjà à 5. Ah, par contre on est beaucoup. Ah mais il y a d'autres choses. On peut t'aider? Attention. Bah oui, vous pouvez. On a accès. Ok. Ça savait pas ça. Moi je viens, moi je viens. Ils sont 3 à y aller, Ah, oh bah FF. LGB. LGB qui vient de mourir. Loup-garou feutré, LGB. Donc la deuxième sœur elle est là, Samsam. Regardez le nombre de villageois qui restent. Bon heureusement il y a les rôles solo et le couple qui va pouvoir nous aider un petit peu mais là... Putain mais j'ai l'impression... Oh là 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 là. Il est vraiment ancien gré-éléphant, ok. Oh là 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 là. On est plus que 6 loups. On est plus que 6 loups, il y a 24 joueurs.
Je suis revenu à la croix gigantesque. Surprise, est-ce que quelqu'un est passé entre temps? Absolument pas. Bon, j'ai pas le rôle des solos. J'aurais bien aimé avoir le rôle de joueur solo en fait, ça aurait été cool. Hein. Mais là, forcément, vu que tous les loups sont en train de crever dès le début, bah du coup, j'ai forcément tous les rôles des villageois. Parce que là, s'il y avait eu des solos qui. Enfin, si on avait perdu tous ces loups-garous, mais un peu plus tard, j'aurais pu avoir des solos. Et si j'avais des solos, j'aurais pu m'allier avec eux. Parce que là, j'ai aucune information. En vrai, là, je suis en train de prier un peu de tout mon cœur qu'il y ait un solitaire en plus du LGB. Histoire que ça donne la possibilité, entre guillemets, à quelqu'un de remonter la pente, on va dire. Allez, chat des loups une nouvelle fois hein, pour voir ce qu'ils vont dire. On va attaquer. Bah ouais, mais bon, au point où on en est, perdu pour perdu. Alors ça me met bien, ça par contre. La meilleure chose qui pouvait arriver, le trublion est mort. Ce qui signifie que chaque joueur sur la carte a été re-téléporté aléatoirement. C'est parfait, car cette simple action permet d'isoler les villageois. Et avec un peu de chance, je pourrai retrouver mes alliés ou attaquer des villageois qui se rendent au centre. Il ne faut pas perdre espoir malgré tous les loups qui sont morts. Nagato Salvateur. Ah bah il y avait le solitaire. Non mais ça y est frère, on a rien pour nous dans cette game. Littéralement le seul deuxième joueur qui pouvait nous aider vient de crever. En plus c'est tombé sur le perfide, du coup qui avait même pas force. Allez super. Bon bah nickel hein. Salut. Allez, salut. Je vais pouvoir enfin jouer. Il était temps. Pourquoi tu sors à ce moment là de la partie là? Parce que je me suis fait spec au début, en premier. Ah ouais bah du coup logique. Je pouvais pas venir hein. Allez enfin. Mais non! Hein? Ah, il s'est fait grimer! Ok. Oui, bien sûr, mais il peut être solo. Fate peut être loup. Non, Fate pas être loup, mais il peut être solo aussi. Ah! Non, en plus, je viens d'un V2 les deux qui sont morts là, je suis dégoûté. Non, sérieux? Mais du coup, j'ai récupéré aucune dégâts, donc je suis dégoûté. Oh, je pue la merde en plus. Oui! Oh non. Oh non. Oh l'endroit de merde. Oh l'endroit de merde. Oh l'endroit de merde. Non. GG. Ok Fritos masterclass. Allez, la remontada c'est maintenant. Bon bah là au moins on est sûr qu'il y a plus de traits parmi nous déjà. On est tous ensemble. On est plus que 5 hein. L'infect Père de Loup n'est pas mort hein. On peut faire la remontée du siècle. Je jure que si on infecte Nagato Salvateur, on fait la remontée du siècle. Mais il faut que mes teammates viennent me chercher en fait. Faites quelque chose, je vous en prie. Qui j'ai entendu? Je te vois hein. Derrière là, je te vois. Il était loup-garou, bro. Ouais, mais c'est aussi. Oh. Waouh. J'ai speed. Ouais, elle fait l'épée hein. Tu cours pas ? Ouais. GG. Oh oui, 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 c'est bien, 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 il se passe des choses, enfin. Oh, Fritos ! Oh, enfin, gros mec, loup ! Je viens de tuer les deux, là. Viens, on se casse. Enfin, loup ! Ça y est, t'es le premier loup que je croise de la game ! Attends, il était quoi, du coup ? Dans ce bar. Détective et sorcière. Non, c'est moi, détective, non, qui c'est tué. C'est astronome, j'ai tué l'astronome. T'as des infos sur le rôle, du coup, avec... J'ai eu... Ouais, ouais, non, mais mec, bah, Sam, il est sœur avec Tanko. Nagato Salvateur, l'infect n'est pas mort, mec. Il faut qu'on infecte Nagato. Si on infecte Nagato, là, on peut faire la remontée. L'infect est solitaire, il peut y avoir... Non, il est mort, le solitaire. C'était Lycos MC, loup-garou perfide, okay. Solitaire. Et bah Fadi et PF. Parce que ancien c'est bien qu'éléphant, ouais. Du coup je te confirme. T'as combien de heal? J'en ai 21. Ok, j'en ai 19, ça va le faire. Enfin j'ai croisé un loup, j'en reviens pas mec, t'imagines même pas. Tu sais que depuis que je t'ai croisé la première fois, je n'ai pas recroisé un seul loup de la game quand même. Personne savait que t'étais mystique. Mais le pire c'est que je pouvais même pas vous écrire. Je pouvais même pas vous dire rendez-vous à tel endroit parce que je peux pas écrire. Donc je pouvais rien dire. Tu vois le chat ou pas? Oui, je le vois. T'avais pas vu le -300, -300? Ah si, t'avais écrit -300, -300. C'est pas moi, mais il y avait littéralement 7 LG là-bas et c'est là où ils sont tous. Ah oui, -300, -300, putain. Ah bah c'est ici. Ah. Mais je suis passé 400 fois ici. Il y avait personne à chaque fois. Non mais attends, c'est vraiment un truc de fou parce que ça veut dire que je suis passé 40 000 fois ici au moment où vous y étiez pas quand même, ça veut dire. Voilà, tu vois, regarde la situation qu'on est là, tu vois. Eh ben c'est exactement moi depuis une heure, c'est-à-dire que je suis là. Et je me dis, cette croix, elle doit bien servir à quelque chose quand même. J'espère que c'est pas un LG en coupe parce que sinon c'est fini là. Oh ouais, j'avoue. Ouais, parce que ce serait bien de trouver Zixoko ou Maxime vu qu'ils sont cramés les deux. Ah oui, oh, ça, oh oui, merci. Enlevez ce rôle là, enlevez ce rôle de con avec sa résistance là, enlevez nous ça. Je sais pas ce qu'on peut faire. Bon, rien, ils sont sûrement en groupe tous les trois, hein, je pense. Et nous on est les dindons de la farce comme d'hab. Ça, okay, c'est bien, ça. Oh non, l'infecté en couple. C'est sûr, c'est ça, c'est impossible. Pourquoi il a pas infecté? L'infecté en couple. C'est vraiment ça qui est en train de se passer. À moins qu'il soit mort et on l'a pas vu, mais. Bah, c'est pas Zixoko parce qu'il est grand méchant loup. Bah, c'est Kaneki ou Maxime, du coup. Ouais, Kaneki, il était avec moi début de game, il s'est pas fait cramer.
Non, mais non, c'est pas vrai, pas jusqu'au bout, on a vraiment pas de chance à ce point-là. Bon, alors, y'a pas d'infect. C'est chaud quand même, pas d'infect. Ouais, s'il y a pas d'infect, c'est chaud quand même. Y'a même bah, pas de S, y'a rien, là, là c'est fait. Y'a pas de voleur, y'a pas de S, y'a pas de voleur, y'a rien pour l'instant pour nous, là. On a pas eu une personne qui a joined le camp. Mec, dealer, s'il te plaît, de venir dans ces assez cool, là, genre. Non, mais c'est pas possible qu'il y ait pas d'infect. Mais non, mais encore une route qui pouvait venir avec nous. A tous les coups, l'enfant sauvage sans modèle, c'est Guil. Ouais, mais à tout moment, c'est un truc comme ça, vraiment. À tout moment, vu comment la game se passe pour l'instant, c'est vraiment ça. Hein. Là, vous avez 80% de malchance dans cette game. Ouais, c'est abusé, vraiment, ce qui se passe là. Mais surtout, là, j'ai drop l'écho dans le chat. On va avoir un groupe de trois de villageois qui arrivent. Ah bah oui, ah bah oui. Bah attends, viens, on va sous les arbres. Bah viens, on va clairement sous les arbres, mec. Bon, la TP du Trublion s'est bien passée. J'ai pu tuer un joueur et j'ai recroisé Fritos, ce qui nous a d'ailleurs permis de faire un groupe ensemble. D'ailleurs, j'ai remarqué que ni l'infect père des loups, ni l'enfant sauvage n'était mort, ce qui signifie qu'il y a peut-être encore un joueur qui peut nous rejoindre. Mais à ce stade-là de la partie, ça voudrait sûrement dire que l'infect père des loups est en couple. Sinon, il aurait sûrement infecté avant. Maintenant, le problème reste que nous ne sommes que deux, contre des groupes de trois, parmi lesquels résident encore de bons rôles. Et étant donné que nous ne sommes plus que 5 loups-garous, c'est presque sûr que les trois autres forment déjà un groupe. Il va donc falloir malgré tout aller au centre, et si jamais le groupe en face est trop fort, on pourra toujours adopter la stratégie Oméga. Comment ça, vous ne savez pas ce qu'est la stratégie Oméga? Bah c'est ça. Attends, tu sais ce qu'on va faire? Vas-y, donne-leur l'écho, on va faire la technique Oméga, mec. Ah ouais d'accord, je vois carrément la technique que tu vois. Tu vois la technique Oméga? Hop, la technique Oméga. On va se mettre dessous et il y aura bien de la stone sur nous, au-dessus de nous. Je peux te le dire, il y aura bien de la stone au-dessus de nous, hein, clairement. Ils vont jamais nous trouver. Hein. Non mais là mec, crois-moi, il y aura clairement ni enfant sauvage, ni infecté hein, chez nous. Hein. On va clairement finir à 5, hein. Là c'est vraiment ça qui va se passer. Ouais, viens on y va, ça y est, c'est bon, ça m'a gonflé, viens on y va. Moi je te jure, il y a un groupe de 3, je m'enterre. Hein. Non, je m'enterre et je mets de la stone. Hein. Tiens. Vas-y, fais ça. Tiens. J'ai ma pelle pas loin, j'ai ma pioche. Moi il avait dit 300. Ça peut être une histoire de... Il y avait la voix de The Guild juste à côté. Genre, vraiment, j'ai entendu The Guild parler à son chat. Voilà, on est bien. Un stack de blocs de dirt. Alors là, même plus dark dans ma hotbar, mec. Même plus dark dans ma hotbar. De la terre et de la stone. Et ma pioche et ma pelle. Même plus dark. Mais bah, je peux venir avec vous, moi je suis safe, l'équipe, je suis sûr. Non. Mais j'ai aucun intérêt à tuer les villageois, t'as vu le nombre de loups qui restent? Mais tu peux trahir en fight. Le nombre de loups qui restent, c'est à dire 4, tuer Sam Sam. Y'a pas d'infect dans la game, y'a pas d'enfant sauvage. Mais non, Guil, bon, qu'est-ce que tu les gars, on fait une chose. Guil, on est en France, c'est ça que tu comprends pas. La mystique. Bah go, 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 fighter les villageois, je vous en supplie là. On peut pas les aider en plus. Donc c'est le couple là. Non, mais pas nous, mais. Vous êtes bien. Non, je pense ça va. Hein. Oh, t'inquiète pas, hein. Non, on fait pas ça pour rien. Vous êtes juste LG. Ah, je me fais attaquer! T'as rien compris. C'est bon, ils sont morts! Les gars, j'ai tué. Oh putain, ça me aide, moi, ils sont en 2v1. Ouais, t'inquiète. Ouais, d'accord. C'est cool, ça me aide. Cool. T'inquiète. Mort! Eh hey, viens, on va trouver un autre groupe là, le groupe de 3 de tout à l'heure, on les massacre, on les trouve, on les massacre de nuit. Je te jure, on les mène hein, la nuit. C'est bon hein. De toute façon, on sait que les autres groupes de villageois ils sont là-bas, donc parfait. On va de l'autre côté, il reste qu'un seul groupe, il est là-bas. Voilà, okay. Et là tu vas voir nos potes loups, ils vont mourir, ça va être le couple. Il y a encore un ange. Non, ne me dis pas que c'est un gars parmi eux. Ok, oh, c'est dans ce groupe, je crois qu'il y a l'ange gardien, ils sont protégés là-bas, je crois, non? Non, je sais pas ce qui se passe. Cléric, chasseur. Ok, ah il va tirer sur un mec et attention. Bah du coup c'est Sam Sam et Mumutako ensemble en couple, c'est what the fuck. Le chasseur il veut pas tirer? Bon il a oublié de tirer. S'il a un minimum suivi la game normalement. Ah bah voilà. Oh! Salut les gars. Vous savez qu'on mitonnait pas quand on disait qu'il restait plus de loups là quand même. Y'a plus de solitaire, y'a plus rien, que dalle, y'a plus d'infect, y'a rien. Hein? Quel villageois, c'est pas beaucoup hein. Allez, amusez-vous bien ensemble. Oh c'était ce groupe là qu'on disait tout à l'heure. Ouais. En vrai? Attends ton pot. Ouais. Pourquoi t'es tombé? Pourquoi ils viennent pas m'aider? Mais je sais pas. Oh là là, c'est la fin pour toi ça. Oh non mais non. Ils sont pas venus les deux autres. Ils sont où? Salut. Salut mec. Mais salut, pourquoi ils l'ont laissé crever? Mais what the fuck? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Serviteur. Bon bah, on continue hein. Mais Sam il est en couple avec Mumutako. Bah oui on sait bien, ils sont là, ils sont juste en face là. Les gars on a besoin de vous hein. Ouais bah Guil, je pense que t'as roulé sur la game hein, et je te dis GG hein. Hein? Mais je me suis respecté ouais. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien fait du tout mon gars. Les gars, moi j'ai des rien à ta part. Ouais. Oh ouais, j'ai mourir hein. Ouais, je crois bien mon gars. Voilà. Ok, vas-y go sur l'autre. On tire notre pote sur l'autre du coup. Ouais, ça va aller, ça va le faire, ça va le faire. C'est quoi il faut? C'est lui! Ah non, c'est lui. Ouais, mais oh, il est là! Pas ah, c'est parfait, bien. Allez, nickel. Vous voulez des gardes ou pas? J'en ai. Ah, je viens, vas-y, ouais. Moi, j'en ai. Ouais, genre, il a méga fight. D'ailleurs, toi, Guil. Merci. Non, mais il y a l'ange en des deux, non? Oui, c'est moi.
C'est mon nom sûrement. Mon modèle il est mort 2 puis. Oui, c'est ça, oui. On peut passer sous les arbres, ouais. Chantos, Chantos. Chantos, Chantos. Y'a Sam Sam sous les arbres derrière. Ah, le go lancé, on sait pas. Je suis en fichu du contenders. Sam Sam, viens sur moi. Je crois que Guil t'a rien compris la game. Non, oh, mec, je me suis fait spec, hein, donc t'inquiète. Ouais, mais tu dois pas me tuer du coup. J'imagine que j'ai pas le droit de t'aider. Non, je suis pas en couple. Bah, c'est qui, ouais, Sam, qui Sam, Sam est en couple avec quelqu'un de ton camp en fait. Sam, Sam, viens pour moi. Ouais, mais tu devrais pas me tuer du coup. Ouais, putain, il fait trop mal, what the fuck, par contre. J'ai même pas force. Et toi, j'arrive à prendre en pot. Il doit être low. Ouais, tu me fous, lui. Oh quoi? Hein? Quoi? Israël! Ah ouais? A l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide! Ça va! T'as géré de le prendre ce KB, mon gars? Pas pour le ton KB. Zin, t'as besoin d'aide? Bah, t'es en couple avec eux. Je sais même pas c'est qui est en couple avec lui, du coup. Si vous pensez que je suis en couple, c'est magnifique, par contre. C'est qui? C'est Zigzoko? Zigzoko? Désolé de la trahison, le frère. C'est lui? Ok, bah vas-y, on le tue. On le tue direct. Oh, par contre, wesh. Vas-y, vas-y, on le fume direct. On en parle plus. Dès que moi, me tuer, ça va rien faire. C'est rien, mon coup. Ça, c'est un truc. Si, parce que si on tue ton couple, ça, tu le protégeais derrière. Ouais, je suis là. Il a la broc, Sam. Il a broc, il a broc. Vite. Bah, ouais, je m'accroche. Ah, d'accord, j'ai oublié. C'est bon, je l'ai tué, c'est bon. Encore. Ouais. Meurs pas, hein. Il est mort, hein. Attends. Oh, il y a tout le jour, là. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Bon, bah, on est. Oh là. Ouais, t'as broc, Sam. T'avais pas fait gaffe à ton casque. Eh bah, c'était mal parti. En gros, pour résumer, Momotaco était ange gardien qui protégeait Sam Sam. Et Sam Sam, lui, était en couple avec Zigzoko, qui lui était loup-garou. D'où sa trahison. Bref, on ne pouvait pas se douter de cette trahison. Mais par chance, on a triomphé. J'espère que cette partie vous aura plu. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner si c'est le cas. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, vous savez. On se dit à très vite pour de nouveaux UHC ou d'autres vidéos diverses.